avons eu le plaisir de vivre aujourd'hui un moment important pour nous. Nous avons signé 73 nouveaux projets dans le cadre de la banque de projets de substitution. Souvenez-vous, on avait un objectif de 34 milliards de substitution de produits qu'on importait, qu'on espérait en faire une partie. Eh bien, aujourd'hui, nous avons dépassé les 34 milliards, nous sommes à 35,5 milliards de dirhams. Nous espérions aussi essayer d'exporter 17 milliards de dirhams. Eh bien, là aussi, nous les avons dépassés, nous sommes à 50 milliards de dirhams. Ces projets, l'ensemble des projets qui ont été signés jusqu'à aujourd'hui, la majorité sont déjà opérationnels. Ceux qui sont signés aujourd'hui, les terrains sont déjà acquis et les gens démarrent leurs projets. Nous avons réduit fortement les délais de construction d'usines et de démarrage d'usines. La moyenne aujourd'hui est à 7 mois lorsqu'elle était à plus de 2 ans il n'y a pas très longtemps. Donc ce sont des projets importants. Nous avons atteint 85,5 milliards de dirhams comme impact sur la balance commerciale. 34 milliards de dirhams qu'on n'importera plus et 50 milliards de dirhams qui vont être exportés. Donc c'est un projet pour nous très important. On espérait atteindre une partie, avoir plus de temps pour le réaliser, mais vu l'engouement et la démarche que l'ensemble des partenaires ont pu réaliser, les CRI, le Maroc PME, l'Imanor, l'AMDIE, les banques, la CGEM, tout le monde a participé, les chambres de commerce, tout ça a fait que ce projet-là a donné les résultats que vous connaissez. Ça donne de l'appétit, ça démontre que nous sommes capables de substituer en faisant souvent mieux. Vous avez vu les fromageries dont on parle, qui se montent au Maroc, et elles font de tout. Elles font du fromage italien, elles font du fromage à tartiner, elles sont plusieurs. Et nous arrivons à substituer une majorité de ce que nous importions. Ce n'est pas uniquement ça l'objectif. L'objectif, c'est de substituer avec de la qualité et des prix intéressants pour pouvoir exporter davantage. Alors les secteurs, c'est tous les secteurs industriels dont à leur tête le secteur agroalimentaire, mais pas uniquement. Vous avez le secteur du textile qui a pris sa part, qui est importante, parce que nous importions beaucoup. Nous importions beaucoup, en particulier d'Asie et de Turquie. Eh bien, les entreprises turques qui sont implantées au Maroc ont commencé à fabriquer au Maroc parce que la qualité marocaine est de bon niveau et les prix sont compétitifs. Nous avons de la grande distribution comme Marjan qui a substitué ses importations par de la production nationale, à la fois pour le textile et l'habillement, mais aussi pour l'agroalimentaire. Donc il y a une multitude de domaines où les jeunes et moins jeunes, marocaines et marocains, peuvent s'investir totalement dans le secteur productif de leur pays. Il y a de la place. Ben, les 73, elles couvrent les 8 régions du royaume. L'objectif est de couvrir l'ensemble des régions du royaume et d'offrir tous les types de projets, des petits, des moyens et des grands, pour que tout le monde y trouve son bonheur. C'est un intérêt que nous avons en tant qu'État, ça fait travailler des Marocains. Donc il faut arrêter de consommer des produits que nous pouvons fabriquer. Nous avons été capables de fabriquer des tests PCR. On a consommé 2 millions de tests PCR marocains, faits par ma sœur. Les tests que vous avez subis aujourd'hui en quelques secondes, ils sont révolutionnaires. C'est des tests faits exclusivement au Maroc. Donc on est capable de faire des choses que d'autres ne sont pas capables de faire. Ce n'est pas l'inverse. Donc il faut prendre cette confiance en soi et se mettre au travail, tout simplement. Et les résultats, vous les avez vus, ce n'est pas moi qui les ai faits, c'est les Marocains qui ont fait ça. C'est les gens qui ont fait ces affaires-là, qui ont fait confiance en leur pays, qui ont investi, mais c'est aussi la main-d'œuvre marocaine qualitative qui permet de produire tout ça. On est capable, point. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.